Il t'a jamais décroché un appel chez moi parce qu'il sait comment je suis. C'est pour cela que je dis tu nous harcèles parce que tout le temps le téléphone sonne, c'est toi. Tout le temps les filles, je vais arrêter. Je vais arrêter l'appel. Mimi, on va arrêter l'appel parce que tout est dit, tout est clair, tout est... J'ai très mal pour toi. J'ai très, très mal pour toi parce que je sais ce que tu endures. On a compris. On a tous compris. Tu t'es persuadé que Mimi, que Fatou était au Sénégal. Voilà les preuves que Fatou a en France. Elle dit qu'elle a fait BBL, qu'elle est étudiante, qui lui a donné l'argent, qui paye son loyer. Il y a eu trop de choses, donc je vais mettre fin à ça. Mais en tout cas, Mimi, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne le courage de rester dans ton foyer et de vraiment veiller sur tes enfants et de te concentrer sur tes enfants et toi. Que Dieu te donne la force, en tout cas. Je suis de tout cœur avec toi. Je suis vraiment de tout cœur avec toi. C'est vrai que c'est toi qui as appelé. Parce que tu as vu ta rivale connectée, c'est toi qui as appelé. Tu voulais simplement lui dire d'arrêter d'appeler ton mari, d'arrêter d'envoyer un message à ton mari. Mais tu ne t'attendais pas à ça. C'est aller loin jusqu'à la vérité est sortie. Tout est sorti. Et ça, ça fait très mal parce que... Mais sache que je suis de tout cœur avec toi. On est tous de tout cœur avec toi. Courage à toi, Mimi. Courage vraiment à toi. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est ça les hommes. Je n'ai pas dit tous les hommes, mais je dis en général, ils sont là et ils nous manipulent. Ils nous manipulent. On est là, on se tire les chignons et eux ils sont là tranquilles, mais c'est des vrais manipulateurs. Et dans cette histoire, j'ai compris que le problème c'est l'homme, c'est lui qui vous a manipulé. C'est lui qui est au milieu de tout ça. Tu es la victime, Fatou aussi est la victime. Courage à toi, Mimi. Courage à toi, que Dieu veille sur toi. Que Dieu te donne le courage de rester dans ton foyer. Que Dieu te donne le courage de t'occuper de tes enfants. Que Dieu te fortifie. Il ne faut pas que ce qui s'est passé aujourd'hui te détruise pour que tes enfants te voient triste. C'est ça les hommes. Il a signé monogamie. Ils sont là ici, monogamie. Mais Dieu seul sait dans leur cœur ce qu'ils ont signé. Ils sont là quand ils voient la mairie, là. Comme c'est en France ici, ils sont là monogamie. Mais au fond d'eux, là, ils sont polygames. Voilà ça, la preuve. Tu t'es persuadé, il t'a dit des choses. Tu avais les yeux fermés. Voilà, tout est sorti. Mais c'est Dieu qui a voulu que tout sorte aujourd'hui. Parce que pourquoi tu es monté sur le live pour lui parler? Pourquoi le ciel l'a appelé? Donc Dieu a voulu qu'aujourd'hui, là, à travers ce live-là, tu saches, tu vois clair dans l'histoire. Tu as vu clair dans l'histoire. Tu sais ce que c'est maintenant. Et puis voilà, en tout cas, courage à toi, Mimi. Courage à toi, que Dieu te garde. Mais surtout, après le live, n'en parle pas avec ton mari. Pourquoi? Garde ton climat. Pourquoi? Garde ton climat. Faut pas m'en parler à son mari. Mais lui-même, il est assis à côté, il sait. Mais oui, qu'elle laisse couler. Mais c'est un être humain, mais chose. Voilà, laisse couler. Prends le temps de récupération. Récupère, digère. Judas. Et ne Judas, pas trop vite avec Judas, ça. Faut pas demander à Mimi de ne pas parler. Tu veux que la femme là, elle est AVC. Elle a des enfants en bas âge. Elle peut pas garder. Là, tout ce qu'elle vient d'apprendre. Lui-même, il est assis à la maison là-bas, là, il a entendu. Il sait. Il comprend. Dans son cœur là-bas, là où il a cette diarrhée qui a le tué. Il a tout entendu. Donc, il sait. Elle ne peut pas se taire. Il lui doit des explications. Dans quel coup Fatou a numéro de France là? Il lui doit des explications. Dans quel coin elle a parlé de 14e arrondissement là? Il lui doit des explications. Toi aussi. Explications, il doit lui donner. Je ne lui ai pas dit de quitter son mari. Elle n'a qu'à rester dans son foyer. Mais son mari doit lui donner des explications. Sinon la femme là, elle va tomber un jour dans la rue. Vous aussi, c'est un être humain, elle ne peut pas garder. On ne peut pas demander à quelqu'un de garder ça là, c'est trop fort, c'est trop lourd. Tu as vu comment Fatou était sereine? Elle était trop sereine. Moi, c'est sa sérénité là qui m'a impressionné. Elle est d'une sérénité, Fatou. Elle était trop sûre de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle disait. Tu comprends? Donc, pour la laisser, elle et son mari, ils doivent communiquer. Son mari doit lui rendre des comptes. Il doit lui dire des choses. Et puis, voilà. En tout cas, Mimi, gros bisous à toi. Merci, bisous. Ok, bisous. Coach. Courage. Merci. Bisous, Mimi. Au revoir. Ok, Judas. Ciao, ciao. La coach, merci, c'est gentil. Oui. Ok, passe une bonne soirée. Ok, en tout cas. Oui. Mais Aïe, depuis que tu me décrochais là, tu voulais parler. Tu te dis quoi? Je dis que.
Oui. Les deux femmes, elles se battent pourquoi? Pour un homme dont le cœur n'appartient, mais aucune d'elles n'a le cœur de l'homme-là. Pourquoi elles se battent? Cet homme-là est amoureux de ma copine depuis des années. Quelle copine? Mimi, là, elle est avec son mari, enfin, son mari. Ils sont mariés, ça fait peut-être, je ne sais pas, plus de 15 ans. Et ils sont séparés depuis au moins 8 ans. Et donc, la fille, le gars ne veut plus d'elle, mais elle ne veut pas divorcer, elle insiste. Et donc, ce monsieur, donc, il est amoureux de ma copine depuis des années. Et elle ne veut pas de lui, parce que justement, Mimi refuse de divorcer et elle ne veut pas se continuer un homme qui traîne un lourd bagage derrière lui. Oui, mais ma chérie, si le monsieur Ndiaye est fan de ta copine, que ta copine ne veut pas de lui, elle a son rôle dans cette histoire de où on est dans la pratique là. Toi, ta copine, elle est dans la théorie. Si elle ne veut pas du monsieur, ok, il n'y a pas de problème. S'il est fan d'elle, mais elle ne veut pas de lui. Mais là, on est dans la pratique, ma chérie. Toi, tu as venu à la théorie. C'est qu'on vient de vivre là. Battre pour un homme qui ne veut pas de enfin, qui n'a pas le cœur en place, enfin, qui n'est pas autant intéressé. Faut laisser pour toi là, ma chérie, faut laisser. Hein? Pour toi là, c'est un choco. Actuellement là, ce qui se passe là, c'est pas ce que tu dis là qui va refroidir quelqu'un ou même tu. Actuellement, on est dans tremblement de terre. Toi, tes petits vents, petites choses intempéries, toi, intempéries, va venir dire quoi dans tremblement de terre, où tout est entré, les boutiques sont cassées, tout est cassé, le goudron même est divisé en deux, le pont même est comme ça. Toi, tu vas venir dire quoi là, actuellement là, toi aussi, c'est trop fort ce qui est là. Donc, je ne sais pas ce que tu vas dire qui va nous faire quelque chose. Hein? En tout cas, mes amours, en tout cas, il dit que ce qui s'est passé aujourd'hui là, c'est incroyable. Merci en tout cas. Merci à vous. Et les femmes, vous voyez, vous voyez pourquoi je vous dis toujours de rester concentré sur vous. Vous voyez pourquoi je vous dis toujours rester concentré sur votre avenir. Rester concentré sur l'argent. Cherchez l'argent. Travaillez pour avoir votre argent. Concentrez-vous sur vos enfants. Vous voyez pourquoi je dis ça tous les jours. Vous voyez. Tu vis avec un homme, tu es avec lui, il te dit ça, et puis derrière, il fait autre chose. De la manipulation totale, pure. Ces garçons. Mais quand tu as ton argent, tu cherches ton argent là, tu regardes et puis tu souris. Parce que lui là, ton jeton est là. Donc concentrez-vous sur votre travail, cherchez l'argent, concentrez-vous sur vous-même, aimez-vous. Si vous vous aimez à un point là, qu'un homme demain, il ne vous aime pas ou il vous trahit là, ça va vous faire mal, mais ça ne va pas trop vous affecter parce que tellement que vous avez de l'estime de vous-même. Vous avez compris. En tout cas, aujourd'hui, là, ce qui s'est passé, c'est fort.